Moi, c'est Emmanuel, dirigeant d'une entreprise de conseil en management et de conseil en recrutement. Chercher un outil qui m'aide à aller vite et à l'essentiel, en fait. Je suis un pragmatique, donc c'était pour avoir quelque chose de bien calé, bien cadré, mais qui pouvait du coup nous laisser cette liberté de sortir aussi du cadre, mais avoir toujours cette roue de secours pour se rapatrier sur un cadre structurant et efficace. Le regard porté sur les choses, sur les gens, est différent. Et je dirais que c'est un regard de plus de bienveillance, c'est-à-dire de trouver, alors c'est le mot de la formation, mais qu'il y a plein de choses qui sont OK en fait. Voilà. Donc ça renforce encore plus une croyance que j'ai, c'est que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et que si on n'a pas les bons comportements, c'est surtout parce qu'on n'est pas forcément dans une bonne situation, en tout cas une situation de stress. Mais ça la renforce encore plus parce que ça oblige encore plus de bienveillance et de chercher à comprendre en fait, plus qu'à juger en fait. Moi j'aime bien l'image du dé en fait, qui est souvent prise. C'est que ce que j'aime bien dans l'image, c'est qu'il n'y a pas que deux points de vue, il n'y a pas le point de vue de l'autre, il n'y a pas le point de vue, mon point de vue, mais il y a encore quatre autres points de vue possibles, et encore on a pris un dé à six faces. Donc ça ouvre le champ des possibles en fait. C'est d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de leur acte. Et qu'en fait, il n'y a rien de grave parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention du tout derrière. Il y a juste des occasions de progresser, des occasions d'avancer en fait. Tu es pas dans un véhicule qui est conduit par un coach qui t'oblige, voilà. C'est toi qui conduis ton véhicule, tu vas à la vitesse que tu veux, tu passes les vitesses quand tu veux, tu vas sur les sujets que tu veux. Et malgré tout, c'est la force de l'outil aussi, c'est que tu vas à la vitesse que tu veux, mais en fait, il te fait aussi aller à une vitesse assez rapide, juste pour que tu avances, mais ça va dépendre de comment tu vas avancer dès le départ, en fait. Donc, il y a le process et ton envie qui se mélangent, en fait, constamment.